Bonjour à tous, et bienvenue dans ce tout premier épisode spécial Cyclocross. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un duel déjà mythique entre les deux légendes Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel pour la conquête du maillot arc-en-ciel. Allez, c'est parti, Mathieu Van Der Poel pour l'instant qui résiste à Wout Van Aert. Wout Van Aert qui remonte à hauteur du pédalier. Van Der Poel toujours en tête. Van Der Poel toujours en tête. Wout Van Aert c'est serré, qui va produire son effort. Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, vainqueur du Tour des Flandres, je pense. Depuis 2012, c'est le premier grand duel entre Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel sur les championnats du monde junior de cyclocross. Ces deux coureurs ne cesseront de se recroiser et se livrer à des batailles d'anthologie pour conquérir le titre mondial en élite. Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, sera le premier à revêtir ce maillot arc-en-ciel en 2015 à 21 ans devant un certain Wout Van Aert âgé du même âge. Mais le belge, plus fort les années suivantes, s'envolera rentrer dans la légende et remporter 3 titres consécutifs entre 2016 et 2018, tandis que Van Der Poel égalisera son nombre de victoires en remportant en 2019 et 2020 les deux titres mondiaux du cyclocross. Et en 2021, tout comme ces 6 dernières années, on pourrait bien à nouveau assister à un duel entre ces deux légendes, chacun d'eux ayant au moins une fois battu l'autre sur les différentes courses auxquelles ils ont participé. Et se trouvant donc pratiquement au même niveau, à maintenant 2 jours du grand départ du mondial. Ce mondial 2021 se courra pour la première fois de son histoire à Ostende en Belgique, et le parcours de 2900 mètres offrira aux coureurs de la piste herbeuse sur 1,5 km, du sable et surtout des ponts qui ajouteront du dénivelé à la course avec des passages à plus de 21% de pente. Ce sont donc des terrains vallonnés qui avantagent aussi bien Mathieu Van Der Poel que Wout Van Aert, tous les deux très bons punchers, mais qui pourraient aussi révéler un coureur britannique seulement âgé de 21 ans, très bon également dans les courtes côtes et qui pourrait s'inviter en tant que favori outsider, Tom Pidcock. À ce grand outsider, il faut également rajouter Thunart, 3ème des championnats du monde en 2019 et 2020, ou encore Elie Iserbyte et Lorenz Wick. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, sur la course Elite Homme, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il se passera et j'espère vraiment revoir un duel entre Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel sur ces championnats du monde de cyclocross. Pour conclure sur ce premier épisode de Cyclocross consacré à la prévue du mondial 2021, je voulais vous dire que pendant mes recherches, j'ai pris énormément de plaisir à m'intéresser à cette discipline du cyclisme qui m'était encore inconnue et qui me passionne déjà. Donc je voulais vraiment vous remercier pour ceux qui m'ont poussé en commentaire à m'intéresser à ce sujet et à vous en proposer des vidéos. J'espère que ce premier épisode vous a plu et moi j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine à 10h pour une nouvelle vidéo.